du marché africain. Votre pays n'est pas encore ratifié. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, je ne sais pas si vous avez suivi notre mot à l'occasion de l'ouverture de la session du Parlement panafricain. Nous avons mis en évidence le fait que les chefs d'État réunis ici à Kigali avaient pris l'option de mettre en place une zone de libre-échange africaine. Et vous devez savoir que le Congo est signataire, hein, puisque le président de nos Nations Unies était ici, il a participé à la session et il a signé. Bon, maintenant il reste la ratification. La ratification chez nous obéit à une procédure. Ça part du gouvernement, ça vient au Parlement, le Parlement autorise et le président de la République ratifie. La procédure est en cours. Je ne pense pas que le Congo soit le dernier.